parti pour une nouvelle vidéo sur Brawlstar. Aujourd'hui, on va faire le pigeon de l'extrême. Je vous l'annonce, ça va être la vidéo la plus chère que j'ai jamais faite sur Brawlstar. Parce que bien évidemment, tu l'as vu dans le titre, je vais acheter absolument tous les brawlers du jeu. J'en ai déjà quelques-uns, mais il m'en manque quand même un total de 8 brawlers. Et c'est tous des mythiques, 350 gemmes chacun. Tu fais rapidement le calcul, ça se monte à 300 €. Et en plus on va devoir à chaque fois les monter aussi en niveau et en pouvoir. Allez, ça c'est une autre histoire. On commence déjà par s'acheter l'offre à 100 € pour 2000 gemmes. Attention, le paiement a bien été effectué. Ah, je suis content mais en même temps j'ai trop le seum. Bon ça va, on se remplit le compte. 3500 gemmes. Je pense qu'on peut déjà se faire péter toutes ces petites offres de pièces en or pour améliorer nos brawlers. 2 points de pouvoir. C'est vraiment une vidéo de pigeon de l'extrême. Donc si tu kiffes, tu mets ton gros pouce bleu et tu t'abonnes à cette chaîne. Voilà, les cadeaux gratuits, ça nous intéresse même pas. Et on commence la vidéo avec un brawler que je suis en train de débloquer. Du coup, il coûte un petit peu moins cher et c'est le petit Squeak. 286 gemmes. Oh, 16 sur 23. On va directement voir ce qu'il donne. Après, on peut toujours choisir un autre brawler qu'on peut obtenir. Mais de toute façon, on va tous les acheter, frérot. Ça me change absolument rien. Est-ce qu'il y a des beaux petits skins? Bon, on va acheter de temps en temps si vraiment il y a un beau skin. Mais sinon, on va se contenter de tout simplement acheter le brawler. Et là, déjà, j'ai remarqué quelque chose que j'ai bien aimé. Le petit Squeak Blob primaire. On va le monter, je sais pas moi, pouvoir 5 ou 6. Histoire de faire quand même des dégâts. Et puis, étant donné que je découvre aussi ces nouveaux brawlers, eh ben, je mets un mode de jeu aléatoirement parce que j'en ai aucune idée comment il fonctionne. Même si j'avoue que pour ce brawler, il me semble avoir déjà affronté. En tout cas, si c'est celui que je crois. Eh oui, c'est celui-là qui colle des mines collantes. On les a éclatés. Après, je suis en train de me dire, vu qu'on sera à chaque fois à 0 trophée contre des adversaires plus ou moins éclatés, je pense qu'on va faire que du survivant solo. Comme ça, ça va être un petit peu plus rigolo. Parce que là, on les a éclatés. Et bim, plus 8 trophées. On va quand même tester ça en survivant duo avec un abonné. Parce que bon, sinon, c'est un peu facile. Mais regardez là, en face, on a un mec. Il est classé légendaire. Oh, ah. Ça va être compliqué, mais au moins il y a un peu de challenge. Je sais pas les brawlers qui en face, mais vous savez quoi, moi je balance mes petites bombes collantes. Je sais aussi pas du tout comment jouer ce brawler, mais c'est pas grave, on avance dans la quête d'obtenir absolument tous les brawlers de Brawlstar. Franchement ça c'est trop bien, et on a fait un kill. Bon j'avoue j'ai fait un petit peu le ramasse-miettes, hein. Mais dites moi dans les commentaires combien vous avez de brawlers en tout. Ah non, l'ulti de Tick il est insupportable. Allez Polly, c'est ton moment. Oui, il a dégommé. En plus le fait qu'on ait que des brawlers mythiques à tester aujourd'hui, je pense qu'on va vraiment pouvoir se faire kiffer. Il y en a plein, je sais même pas ce qu'ils font. Ça va être de la découverte. Et j'ai trop hâte, mais il faut juste pas que je pense au fait que ça soit mon argent que je dépense. Parce que vraiment c'est super cher. J'ai balancé mon ulti. Oh, il envoie plein de mines qui explosent, c'est trop bien. Et en plus on a gagné. Trop facile. Bon après j'avoue j'ai fait un kill et je suis mort une fois. C'est pas incroyable, mais le brawler est par contre validé, je le kiffe. Mais bon, vous le savez maintenant, on va devoir enchaîner et acheter un nouveau brawler. Et on va prendre lequel me donne pas du tout envie. Je sais pas, Jeannette m'a pas l'air fou, mais à tout moment je peux être agréablement surpris. Allez c'est parti, Jeannette tire d'élite. On l'améliore rapidement, pouvoir 5, histoire de faire quand même des petits dégâts. Et c'est reparti pour dégommer nos adversaires avec un brawler que j'ai jamais joué. Oh, on a du Poli, du Edgar et du Fang classé rang mythique en face. Ah, oh, c'est quoi ce viseur? Oh c'est trop bizarre. Vous avez vu ça? Et j'en vois quoi? Je sais pas, une sorte de laser bizarre. Oh, qu'est-ce que c'est que ce brawler, les gars? Je comprends même pas comment le jouer. Vraiment, je pense que je vais rien servir. Ok, le petit Fang, viens par là. Viens par là, mon gars, essaie pas de t'échapper. Ah, il va te faire un coup de pied. Alors, soit le brawler est nul, soit c'est moi qui ai un problème. J'avoue que la deuxième option est quand même bien possible. Et en plus, on a perdu. Mais super. Mais ce brawler, je l'ai jamais croisé. Je sais même pas ce que je tire. On dirait une sorte de galaxie. Non, Edgar! Mais j'ai même pas pu tester l'ulti! C'est abusé! Et puis là, ils vont se faire dégommer aussi. Oh, quoique, Poli qui a fait un kill. 1v1 contre Edgar. Mais là, ça va être un petit peu chaud parce qu'il va lui sauter dessus. Ok, il s'est envolé. Oh! Allez, Edgar! Il a pas bien joué là. Et moi, j'ai mon ulti de près. J'espère que c'est
puissant. On va directement essayer de le balancer sur... Oh, c'est quoi ça? Aïe! Ok, c'est quoi? Je le balance tout droit. Oh, je m'envole! Oh, l'ulti de Faux Furieux! C'est trop bien! Oh là là, l'ulti, c'est un régal. J'avoue que le brawler, j'arrive pas trop à le jouer. Mais waouh! Oh, je m'y attendais pas! Je me suis dit, pourquoi c'est autant court? Bon, voilà. Je me suis fait exploser. Oh, c'est validé, l'ulti. Après, par contre, sinon, le brawler, je suis pas fan. Mais je pense bien que je sais très mal le jouer. Bon, bah, zéro trophée. Et on va pas en négatif, mais on reste à zéro. On va continuer et on va s'acheter le petit Gray. Personnage tout gris, très bizarre. C'est parti, 350 gemmes. Vous savez que c'est à chaque fois une trentaine d'euros qui partent. Et, ah, ok, je pensais qu'il était invisible. Est-ce qu'il a un beau petit skin? J'ai pas l'impression. Mais on va toujours l'améliorer. Ça fait très, très plaisir. Et on est reparti en hors-jeu. En vrai, je me dis que c'est le meilleur mode de jeu pour vraiment tester si un brawler est fort ou pas. Mais on va faire quand même du survivant solo après pour se marrer un petit peu. Ok, déjà, il tire de loin, c'est une bonne chose. Il envoie, mais les gars, je comprends pas ce qu'il tire comme objet. Mais on va dire que c'est un petit laser. Moi, j'ai surtout hâte de voir son petit ulti. On a un Angelo en face. Lui, il peut quand même nous faire pas mal de dégâts. Alors là, pour l'instant, c'est une sorte de poly. Mais il met beaucoup moins de dégâts. On est d'accord, je mets quoi? 1000 dégâts. Après, c'est clair qu'il est pas niveau max. Mais quand même, frérot, hein, même une poly pouvoir 5, elle met plus que 1000 de dégâts. Ou un Angelo, regardez, il est en train de charger ses flèches là-bas. J'ai pas du tout envie de m'en prendre une. Ouh. Oh là là, il a tout balancé à la tronche. Ok, on va aider ici. Oh, j'ai fait un kill. Pourquoi je mets 1700 de dégâts maintenant? On va balancer l'ulti. Oh, je me téléporte. Oh, par contre, c'est quoi ça? Les gars, je comprends rien. Il se passe quoi? Les gars, j'ai rien capté. Je sais pas si je me suis pris un ulti, si c'est moi qui a fait ça. L'incompréhension totale. Et c'est aussi un brawler. Je le vois jamais en partie. Un brawler tout gris. Ah, vraiment, j'ai jamais joué contre. Mais en vrai, on n'a pas perdu. C'est déjà une bonne chose. Aïe. Ah, l'effet poison qui fait mal. Et vu qu'on est accompagné de pro players, je pense qu'on va gagner cette game. Incroyable. Je vous avoue, j'ai eu un petit peu de peine à comprendre l'ulti, mais ça m'a l'air d'un assez bon brawler. Comme je vous l'ai dit, on va essayer les tester en survivant solo après. Là, on va déjà se contenter d'acheter les derniers brawlers qui manquent. Oh, oh, Médor, il a l'air trop stylé. Oh. Mais ça, je pense que c'est clairement un brawler qui se joue en survivant solo. Je sais pas, je le vois bien éclater des tronches en 1v1. Est-ce qu'il y a un beau skin avec? J'ai pas l'impression non plus. On va rejoindre nos petits amis juste après. Mais là, on part en survivant solo. À tout moment, je me trompe complètement et il est super fragile. Mais regardez, c'est un chien militaire. Je pense que c'est un gros bonhomme. Oh, pourquoi j'ai 2 munitions? Oh, j'ai pas autant de points de vie que ça, hein. 4200. Ouah, wow, pantry, mais des dégâts. Oh, mais attendez, même en hors-jeu, lui, il peut être super fort. Il tire deux fois et ça rebondit, mais c'est un ricochet poli. Et vraiment, il fait absolument tout, les gars. Il a l'air incroyable, ce nouveau brawler. Je pense que c'est un des meilleurs. Et bientôt, je vais avoir absolument tous les brawlers du jeu. Regardez, regardez qui est en face. Le même que moi. Mais du coup, j'ai dégommé, bien évidemment. Et on a l'ulti. Franchement, si l'ulti est fort, c'est le meilleur brawler. Ok. Viens par là, toi. On va lui tirer directement ça dessus. Oh, c'est quoi? Il envoie une dynamite en pleine tronche. Bon, j'ai un petit peu de peine à viser. Ouah, le truc de fou. Oh, oh là 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 là. Je suis en train de me demander, est-ce que c'est vraiment moi qui ai envoyé ça? Trop puissant, les mecs. Je suis obligé de le tester aussi en hors-jeu parce que là, je crois, gros coup de cœur. On est avec des abonnés et en face, il y a de nouveau de très très bons joueurs. Je vous le rappelle que moi, j'ai seulement 10 trophées. Je vais me faire éclater. Mais là, vraiment, j'ai trop kiffé. J'aimerais bien avoir de nouveau l'ulti pour voir si vraiment j'envoie un missile, les gars. C'était énorme. Bon, je crois qu'il faut un bon moment pour réussir à le recharger. Oh, j'ai failli faire un kill. Ah, dommage, il a réussi à s'enfuir à temps. En tout cas, les points de vie, on n'en a pas énormément non plus, donc faut faire quand même attention. Attention, le squeak. Ah, il y a l'Angelo aussi. Non, laisse-moi tranquille. Bon, on a rechargé l'ulti. Ils sont pas prêts, les adversaires. Vous êtes prêts ou pas? Attention, chargez. On balance ici. Non, il y a personne. Il y avait personne. Ah, j'ai trop le seum. Oh, Angelo, il m'a mis cher. Oh, mais non, il y avait un truc au sol. Je sais pas ce que ça faisait si je le récupérais, mais on s'est fait éclater. Bon, c'est pas grave, malheureusement, j'ai pas réussi à faire grand chose. On va passer à l'achat du prochain brawler et il nous en manque plus que 4. Oh, on va aller partir sur Charlie après 3 brawlers et je les ai absolument tous du jeu. Charlie. Oh.
Je sais pas du tout s'il est puissant ou pas. On l'a mis, on a beaucoup de pièces en or et de points de pouvoir. Là, je l'ai carrément passé pouvoir 7, les gars. J'ai pas déconné. J'espère juste que ça va un peu mieux se passer. Parce qu'avant, c'est fait éclater la tronche. Vraiment, je crois qu'on a même pas fait un kill. Déjà, j'ai qu'une seule munition. Je suis pas fan de ce système. Mais je me dis qu'il y a par exemple Angelo qui est super fort avec ce format-là. Ok. On va tenter de faire quelque chose quand même. Viens par là, le petit jumeau. Ah ouais, c'est une sorte de... Je sais plus comment ça s'appelle ça. Tu envoies une petite bonbonne et elle revient vers toi. Sympathique, mais... Je sais pas. Pour l'instant, je suis pas convaincu du truc. Mais j'ai fait éclater en plus parce qu'on met pas beaucoup de dégâts. Je vous jure qu'aujourd'hui, c'est une vidéo. J'ai l'impression qu'on joue à un nouveau jeu. J'ai jamais joué avec ces brûleurs. Ok, on a notre ulti. Hop, non, je l'ai raté. Mais c'est pas possible. Ça y est, mais on a perdu. Il est nul ce brawler, il est nul. En vrai il passe, mais j'avoue que là, pas gros coup de cœur. L'ulti, je l'ai mis en plein côté. On va plutôt, sachez, le Byron, il me donne trop envie. On va partir sur Otis. Oh, c'est quoi ce petit truc? On dirait Nani, mais sous forme différente. Brawler mythique. On l'a meilleur, on l'a meilleur, on l'a meilleur. Go, 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 go. Pour ceux qui kiffent quand je fais le pigeon, ah bah là, on va vous être servi. Je crois que les abonnés avec moi, ils ont changé leur brawler. Ils ont dû se dire, il faut qu'on change de stratégie, on fait que de perdre. J'avoue que c'est peut-être moi un petit peu le problème. Je découvre en même temps les nouveaux brawlers. Ils sont pas pouvoir max. C'est clair qu'on se prenne un petit peu la misère. Mais c'est pas grave, au moins on découvre. Oh, il envoie quoi lui? Oh, on dirait on est sur Splatoon les gars. J'envoie de la peinture. Le jumeau, oh là là, y a Miko qui va nous foncer dessus mais... Ils sont trop forts, hein. Je crois qu'on va partir en survivant solo après parce que là, vraiment, ils sont pas de mon niveau. Ah. Bon, bon, bon. Non, je vous dis, on va le tester en survivant solo, celui-là, juste après. Mais j'aimerais quand même voir à quoi ressemble notre petit ulti. Il passe tout sur les côtés aussi. Venez au milieu. Ok, on met quand même des dégâts. Par contre, j'ai fait un kill. Incroyable. Par contre, tiens, le petit Miko, je le sens pas du tout, hein. Je pense qu'il va me mettre très, très cher. Allez, viens, André. 2000 points de vie. Ah, il régénère. Il régénère très, très vite en plus. Ah. C'était sûr. Et là, lui, ouais, bon, fini. Perd encore 0 trophée alors que je suis déjà 0. On va voir ce que ça donne en survivant solo. Mais au moins là, ça va être des adversaires un petit peu à mon niveau. Parce que bon, avant les pro players, ça y est. Et je crois qu'il me reste plus que 2 brawlers à acheter. Oh, j'ai tellement hâte, les gars. Est-ce que vous pensez on obtient une surprise si on a tous les brawlers? J'ai pris trop cher. Bon, j'ai compris, je suis éclaté avec ce brawler. Du coup, je suis juste allé en zone d'entraînement pour tester notre petit ulti. Est-ce que vous êtes prêts? Bim! Quoi? Mais c'est nul! Juste la personne en face, je crois, elle peut plus tirer. Mouais. En vrai, ça peut être bien, mais je suis pas convaincu. On va acheter la petite loup. Heureusement, j'ai encore assez de gemmes. Mais ouais, 150 euros de gemmes que j'ai claqué aujourd'hui. Si juste tu peux mettre un pouce bleu et t'abonner à la chaîne, vraiment, ça me fait plaisir. Ça va pas me rembourser, mais au moins, je me dis, j'ai pas fait ça pour rien. Et la petite loup, brawler inconnu au bataillon pour ma part. On va continuer en survivant solo. Mais cette fois-ci, si c'est possible de pas mourir dès les premières secondes, ça me ferait plaisir. J'ai l'impression que c'est quand même un petit peu un brawler longue distance. Mais c'est pas grave. Vous savez quoi? Bon, on va l'éclater le Poco en restant de loin. Oh, pas mal en vrai. Pas mal du tout. J'ai du coup déjà l'ulti qui est prêt. Ça fait une sorte de grosse zone. Oh, ah ok, ça gèle les ennemis. J'avais pas compris, c'est pour ça qu'il y avait un petit glaçon à côté de notre adversaire avant. C'est que quand tu tires sur des gens, ils sont très très lents je crois. Ou non, il faut leur mettre 3 munitions. Et une fois que le glaçon est complété, ils sont gelés. En vrai, c'est sympa. Mais après, c'est pas un brawler que j'affronte souvent. Donc j'en déduis que c'est peut-être pas le meilleur. Regardez là, un El Costo comme je suis en train de galérer pour le tuer. Mais c'est assez sympa. Petit effet de glace, on va voir si on arrive à dégommer une Shelly. Bon, après si elle bouge pas, ça nous facilite un petit peu la tâche. Et au moins, on se chope un plus 10 trophées. Et ça, ça fait plaisir. Et maintenant, on arrive au moment tant attendu. Je vais acheter le dernier brawler qui me manque. Il y en aura 77 brawlers sur 77. On les aura absolument tous débloqués. Oh la masterclass. Ici, Byron. 350 gemmes, c'est parti. Bon, j'ai plus aucune gemme, je suis trop dégoûté. On a vraiment claqué trop d'argent. Oh là 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 là. Pour fêter le dernier, on va... Oh, Seigneur Byron. Ou alors, le Byron Monsieur Loyal. Wouah. Je crois que je préfère le Seigneur par contre. Et plus à cette gemme. Bon, bah, je vais en acheter pour 2 euros.
Carrément, il m'en manquait seulement 6, mais c'est n'importe quoi. Au moins, je peux m'acheter un beau skin, parce que là, ce brawler m'a l'air d'une masterclass. Bien sûr, on va du coup aussi l'améliorer plutôt bien. Il me reste beaucoup de points de pouvoir, beaucoup de pièces en or. Voilà, on l'a mis pouvoir 7. S'il est nul, j'ai trop le seum. Et ouais, déjà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, parce que bon, je ne pourrai jamais la refaire. Maintenant, j'ai tous les brawlers et c'est comme ça. Oh, il met un effet de poison, c'est comme Korbach. Oh, ce qui doit être relou à affronter. J'aimerais pas l'affronter. Entre, je mets pas énormément de dégâts. Hein. Oh, c'est clair que du coup, il y a l'effet de poison. Il est passé où? Ah, il est là, il est là. Faut faire attention. Il est fait de poison, je sais pas combien de temps il dure. Je crois qu'il met deux coups. Et comme je disais, on pourra plus jamais refaire ce concept. Ok, l'ulti est prêt. Et si t'as kiffé, et surtout pour tout l'argent que j'ai dépensé, si juste tu peux mettre un petit pouce bleu et t'abonner à cette chaîne. Oh, oh, j'ai balancé mon ulti. Oh, je crois que ça m'a soigné. En vrai, c'est pas mal ça. Ok, on va essayer de, hop, choper la petite Nita. On va essayer de contourner l'ours. Ah, il me fait mal quand même. Il me fait mal. Ah non, il m'a tué. Non, mais je suis nul. Bon, en vrai, il n'y a pas eu de réelle dinguerie de nouveaux brawlers qu'on a obtenu. Mais dis-moi dans les commentaires s'il y en a un qui est en fait super fort et que je devrais plus jouer avec. Et moi les BG, je vous souhaite une bonne journée. Allez, ciao.